L'idée principale était d'avoir deux univers différents qui, dans l'écoute globale du disque, donnent un seul univers musical cohérent. Point commun de ces deux compositeurs, c'est les contrastes. Contraste au sein même de Mozart et contraste au sein même de Prokofiev et contraste l'un par rapport à l'autre. Le fait de l'avoir joué maintes et maintes fois en concert, d'avoir vécu avec plus de 2 ans au final, avec ses œuvres tous les jours, d'avoir travaillé, d'avoir hésité, d'avoir cherché de nouvelles idées, d'avoir souffert avec, tout ça permet d'arriver en studio et finalement de donner une interprétation qui est la quintessence de, peut-être pas des œuvres, mais en tout cas de ce qu'on peut donner à ce moment-là. Et c'est vraiment pour moi mon disque le plus fort et le plus personnel.